Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo sur la présentation de ma boîte de ponçage et de mes brosses qui sont dedans. Donc déjà la boîte, c'est une boîte de la marque Unique Horse en rose fuchsia. Voilà, avec les petits loquets avec la fermeture éclair comme d'habitude. Et elle se présente comme une boîte Unique Horse. À l'intérieur, elle se présente comme ceci avec les petits compartiments sur le dessus. Et en dessous, un grand compartiment avec les brosses et les protèques. Et un petit compartiment avec les produits. Dans le grand compartiment, j'ai une paire de guêtres de la marque Viridus, une paire de cloches, donc j'en ai une Kramer et en dessous c'est une escadron, et ma paire de protège-boulets Viridus. Voilà. J'ai une laiterie finlandaise et une laiterie ronde. La marque, la laiterie finlandaise c'est une Ekiri et laiterie ronde c'est une Hypotonique. Ensuite, j'ai deux bouchons. Donc un dont je ne connais pas la marque qui est en bois vert et bleu et un Decathlon qui est en bois beige et marron. Donc les deux bouchons se complètent bien, c'est pour ça que j'en ai deux. Donc hop là, les deux bouchons. Après j'ai ma brosse à sabots, c'est un bouchon Ekiri. Ensuite, j'ai deux cure-pieds, donc un noir et un prune. Ils viennent de chez Decathlon, je pense, ou Kramer, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai une laiterie américaine, c'est une Hypotonique, rose à paillettes. Ensuite, j'ai une brosse à crin Auster, noir et rouge. Ensuite, j'ai une brosse douce de la marque Kramer, enfin de la marque Schumacher achetée à Kramer. Hop là. Et une Magic Brush de la marque Magic Brush. Voilà. Voilà pour les brosses. Ensuite, nous allons passer aux produits. Donc, déjà, j'ai un pinceau à graisse de la marque Hypotonique. J'ai une graisse, un onguent au laurier. Donc c'est un onguent blond de la marque Cavaline que j'ai acheté à la sellerie du Châtel. C'est une sellerie qui est à côté de chez moi. Après j'ai un Sun Protect de chez Raven que j'ai acheté sur Nature Horse, je crois. Donc voilà, c'est de la crème solaire. Ensuite j'ai un Imouchine Roll-On et un Imouchine Gel de chez Raven. J'utilise quand je monte à cheval pour éviter d'avoir trop de mouches sur les parties sensibles. Après j'ai mon produit à l'aloe vera pour tous les petits bobos des chevaux, c'est vraiment un super produit. Ensuite j'ai un pot de bétadine pour nettoyer le cordon de Magnum et pour faire les petits soins nécessaires qu'on a besoin. Et ensuite j'ai un démêlant, donc il est dans le spray de Lazy Shine. Mais vu que Lazy Shine, j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était, j'ai mis mon démêlant Viridus qui est beaucoup mieux que Lazy Shine. Donc voilà, et maintenant nous allons passer au petit compartiment. Donc déjà, dans le petit compartiment, j'ai une brosse à tête de la marque Bostik. Donc voilà, c'est les bonnes brosses. Après j'ai... Oh bah, elle est encore mouillée, elle n'a pas séché. J'ai une laiterie de tête de la marque Kramer, que j'ai acheté à Kramer. Ça, c'est vraiment mon indispensable en hiver. En été, il y a moins besoin, mais en hiver, pour retirer la boue sur la tête, c'est génial. Ensuite, j'ai un noseband. Je ne mets pas de noseband à mes chevaux, mais j'en ai toujours un dans ma boîte de pansage au cas où j'en ai besoin. Je m'en sers même pas forcément en tant que noseband. Ensuite, j'ai un thermomètre. Donc, toujours important d'avoir un thermomètre sur soi. Ensuite, j'ai une paire de gants, des élastiques, des compresses, mon attache d'airbag, mes ciseaux, et en dessous des ciseaux, j'ai un peigne pour faire la crinière et un mousqueton. Donc voilà pour ma boîte de pansage. Et après, je ferme comme ça. Ma boîte de pansage, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir. Et du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!